Voici la méditation du quatrième chakra, or, chakra de la rate. Vous pouvez utiliser pour cette méditation la musique de Jean-Marc Stallé sur les 12 chakras, ou une musique solaire, profonde, rayonnante, ou aussi une musique de bol tibétain. Vous pouvez également, si vous avez un bol tibétain, l'utiliser. Vous disposez les outils à côté de vous, l'ambre, qui est une résine fossilisée. Utilisez le parfum Centaurial Or ou une huile essentielle ou un élixir. Ensuite, vous vous installez confortablement avec l'image du mudra que l'on va utiliser, qui est le mudra de la confiance et de l'assurance. Nous nous posons donc assis tout doucement à l'intérieur de soi, assis confortablement. Et puis nous utilisons le parfum or ou une huile essentielle. Nous déposons une ou deux gouttes au creux de notre poignet. Nous laissons évaporer pendant quelques instants l'alcool, nous frottons nos deux poignets l'un contre l'autre. Et puis nous respirons profondément trois fois. Le parfum ou l'huile essentielle, laissant ainsi le temps à l'information d'aller jusqu'à notre cerveau et ensuite à notre cerveau de le dispatcher dans tout notre corps. Et on prend la posture du mudra. On positionne nos deux mains l'une avec l'autre. Le mudra de la confiance et de l'assurance. Et là, nous portons notre attention durant ce mudra à trois respirations. Inspire, expire à notre rythme. Trois respirations profondes. Voici la méditation du quatrième chakra, or, chakra de la rate. Vous pouvez utiliser pour cette méditation la musique de Jean-Marc Stallé sur les 12 chakras, ou une musique solaire, profonde, rayonnante, ou aussi musique de bol tibétain. Vous pouvez également, si vous avez un bol tibétain, l'utiliser. Vous disposez les outils à côté de vous, l'ambre, qui est une résine fossilisée. Utilisez le parfum Centaurial Or ou une huile essentielle ou un élixir. Ensuite, vous vous installez confortablement avec l'image du mudra que l'on va utiliser, qui est le mudra de la confiance et de l'assurance. Nous nous posons donc assis tout doucement à l'intérieur de soi, assis confortablement. Et puis nous utilisons le parfum or ou une huile essentielle. Nous déposons une ou deux gouttes au creux de notre poignet. Nous laissons évaporer pendant quelques instants l'alcool. Nous frottons nos deux poignets l'un contre l'autre. Et puis nous respirons profondément trois fois. Le parfum ou l'huile essentielle, laissant ainsi le temps à l'information d'aller jusqu'à notre cerveau et ensuite à notre cerveau de le dispatcher dans tout notre corps. Et on prend la posture du mudra. On positionne nos deux mains l'une avec l'autre. Le mudra de la confiance et de l'assurance.
Et là, nous portons notre attention durant ce Mudra à trois respirations. Inspire, expire à notre rythme. Trois respirations profondes. Respiration ventrale. On relâche les bras, les mains, on se détend, on assouplit les mains. Et on prend le cristal, qui ici est l'ambre, donc une résine fossilisée de milliards d'années, associée à la couleur or, le chakra or, chakra de la rate, qui est en lien avec le corps monade. Donc nous prenons contact avec l'ambre au creux de notre main. Nous laissons ces énergies passer. Nous communiquons avec cette entité de lumière avec amour et respect et gratitude. Et peu à peu, son aura va s'ouvrir et se manifester par une douce chaleur au creux de notre main. Et se diffuser peu à peu dans notre aura, en commençant par notre main, autour de notre main, puis de notre bras jusqu'à l'épaule, puis jusqu'à l'autre épaule, l'autre bras, l'autre main. Et notre tête, notre buste, nos hanches, nos jambes et nos pieds. Et la douce vibration de l'ambre prend place en nous, autour de nous, dans notre aura, dans notre corps monade que nous pouvons visualiser tout autour de notre corps physique, d'une belle couleur or et d'une vibration ambre. Et plus particulièrement, l'ambre positionnera son énergie vibratoire sur notre chakra de la rate situé entre le sacré et le plexus, au-dessus du nombril. Nous avons toujours notre attention sur notre respiration fluide, notre inspire et expire à notre rythme, en profondeur. Nous sommes reliés au ciel comme à la terre. Nous sommes reliés au ciel par un filament de couleur or qui part du sommet de notre tête et qui se dirige jusqu'aux confins du cosmos. Nous sommes reliés à la terre par nos pieds et un filament de couleur argent qui part de nos pieds et qui se dirige jusqu'au centre de la terre. Permettant ainsi à la lumière venant du ciel de descendre par le filament de couleur or, de passer par notre tête, suivre notre colonne vertébrale,
jusqu'à notre coccyx, puis passer par nos jambes, nos pieds, et circuler le long du filament de couleur argent. La lumière céleste rencontre la lumière terrestre. Elles s'unissent et s'enrichissent. Et la lumière remonte à présent le long du filament de couleur argent jusqu'à nos pieds, jusqu'au chakra des origines. Et elle devient une boule d'énergie vibration de couleur pourpre qui équilibre, harmonise, amène l'énergie de vie au chakra des origines. Puis la lumière remonte à présent jusqu'au deuxième chakra, le chakra de base. Et elle devient une boule d'énergie vibration de couleur rouge qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie sur le chakra de base. Et la lumière continue à remonter jusqu'au troisième chakra, le chakra sacré, et devient une boule d'énergie vibration de couleur orange qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie sur le chakra sacré. Et la lumière remonte jusqu'au quatrième chakra, le chakra de l'Arat, et devient une boule d'énergie vibration de couleur or, qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra de l'Arat. Et là, nous retrouvons l'ambre qui alimente le chakra de l'Arat, qui le renforce, lui amène les énergies vibratoires dont nous avons besoin. Et cette belle couleur or nous ramène sur notre passé, passé de cette vie, passé de vie antérieure, sur notre histoire, notre richesse intérieure, nos qualités, nos expériences du passé. Nous amenons ainsi à rechercher notre chemin par notre sagesse intérieure acquise autrefois. Un enseignement qui nous pousse à grandir, à nous améliorer et à utiliser ses acquis, ses qualités. Pour nous transformer. Et amener aux autres ce que nous avons compris, expérimenté, intégré. C'est le chemin de la richesse intérieure qui nous pousse à aller de l'avant.
et à partager. Et nous répétons trois fois la phrase mantra du chakra de la rate. La connaissance me libère, m'enrichit. La sensibilité me rend humble. La connaissance me libère, m'enrichit. La sensibilité me rend humble. La connaissance me libère, m'enrichit. La sensibilité me rend humble. Et je répète trois fois le bija mantra. Aham. Aham. Ham ham. Et la lumière peut ainsi continuer son parcours, à présent jusqu'au cinquième chakra, le chakra du plexus, et devient une boule d'énergie vibration de couleur jaune, qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie sur le chakra du plexus. La lumière continue jusqu'au sixième chakra, le chakra du cœur, et devient une boule d'énergie vibration de couleur verte, qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra du cœur. Et la lumière remonte jusqu'au septième chakra, le chakra conscience, et devient une boule d'énergie vibration de couleur turquoise, qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra conscience. La lumière remonte jusqu'au huitième chakra, le chakra altamajor, et devient une boule d'énergie vibration de couleur rose qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra altamajor. Et la lumière remonte jusqu'au neuvième chakra, le chakra de la gorge, et devient une boule d'énergie vibration de couleur bleue qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra laryngé. Et la lumière remonte jusqu'au dixième chakra, le chakra frontal, et devient une boule d'énergie vibration de couleur indigo qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie sur le chakra du troisième œil. Et la lumière remonte à présent jusqu'au onzième chakra, le chakra coronal, et devient une boule d'énergie, d'harmonie, énergie vibration de couleur violette,
qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra coronal. Et la lumière remonte à présent jusqu'au 12e chakra, le chakra lumière, et devient une boule d'énergie vibration de couleur blanche qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra lumière. Et la lumière peut ainsi remonter par le filament de couleur or pour rejoindre la lumière céleste, s'unir, s'enrichir et suivre de nouveau le mouvement du haut vers le bas en passant par la colonne vertébrale, les jambes, le filament de couleur argent, rejoindre l'énergie de la terre, la lumière de la terre. S'unir, s'enrichir, puis remonter pour redescendre dans le mouvement continu de la vie. Et lié au chakra de la rate, nous appelons l'ange Omael par trois fois. Omael, Omael, Omael. Que nous visualisons ainsi de sa belle couleur or. Qui nous entoure, qui nous enveloppe par son aura et qui porte la richesse du monde, la connaissance de la création de la terre et le processus alchimique du couple, que cela soit du couple intérieur comme du couple extérieur, ou tout archétype du couple. L'équilibre, l'harmonie de la balance. Nous acceptons sa présence, nous le remercions de son accompagnement. Pendant toute la durée de ce travail, de cette intégration avec le 4e chakra, le chakra de la rate et de la couleur or. Nous sentons sa présence, son accompagnement. Et nous acceptons cet accompagnement pour la semaine à venir. Nous remercions toutes les énergies en présence et nous reviendrons tout doucement à notre rythme en ce lieu. En cet instant, ici et maintenant.